L'autre soir, je suis allé manger chez un ami mélomane, hein, un amoureux des mélodies. Okay. Pas la petite marionnette fatigante de Passe-Partout, la musique. Puis on jasait. T'sais. Puis après 30-40 minutes, je sais pas ce que j'avais, mais c'était comme si ça me piquait dans la nuque. J'étais agressé par je sais pas quoi. Honnêtement, pas de mots à mettre là-dessus. C'était comme si un fantôme me chuchotait des petites insultes aux trois secondes. Rien de précis là, qui m'agressait, mais je sentais quand même monter en moi une certaine envie de me battre. C'est pas ce que tu mangeais, c'est pas une allergie. Pas du tout. À un moment donné, j'ai allumé, par exemple, Marie-Josée. Il avait mis un disque de jazz. C'est pour ça que j'avais les dents et les poings serrés. Ben parce que le vinyle aussi, j'avais le goût de le serrer. Je sais que ça peut être bon du jazz là, dans de rares occasions, mais celui-là, c'était comme t'sais, un jazz que c'est pas clair si c'est une toune ou si c'est quelqu'un qui tasse des meubles. Bon, ben, vous le savez, je tout abritant. Moi, je suis pas tellement le genre à donner mon opinion sur la musique. Je me sens pas assez outillé, mais je pense que j'aime pas ça, le jazz. Mais rendons à César ce qui est aussi excitant qu'une salade. Là. Oui, le jazz, c'est un style musical aux possibilités grandioses. Si on peut penser à Louis Armstrong, Miles Davis, Ella Fitzgerald, Frédéric de Grandpré. je veux dire, on a eu des morceaux d'anthologie, ben oui. Évidemment. Mais je veux dire, le jazz et le blues, ça demeure quand même les racines de pas mal toute la musique populaire qu'on écoute aujourd'hui. Bon, là, c'est assez pour les fleurs. Maintenant, le pot. Mais tu sais, là, le jazz pur, là. Ouais. Merci. Juste OK. Ça, je n'aime pas ça. Et puis dans mes recherches, je suis tombé sur quelques grands titres d'articles qui couvraient le Festival de jazz de Montréal, même événement fort à l'international. Des grands titres comme ça en rafale, une leçon de rap et de charisme, La Presse. Jazz, pas jazz, on y va, Le Devoir. Hommage au groupe métal Voivode et au Festival de jazz. Journal. Bon, vous voyez bien, je suis pas tout seul. Même ceux qui font la programmation n'aiment pas ça tant que ça, le jazz. Mais avouez-le, c'est un style musical quand même assez hermétique, pardon. C'est comme une secte secrète dans laquelle il faut avoir les codes pour entrer là. Mais de ce que j'ai compris, en gros, c'est parce que le jazz, c'est un style de musique très permissif, où il n'y a pas vraiment de fausses notes. Ouais. C'est comme les ligues de soccer Timbits. Là, tout est permis et le spectacle est plus chaotique que bon. Je ne suis pas un spécialiste, mais moi, dans ma tête, le jazz, c'est le frère TDAH du blues. Ça revole de tous les bords. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu as le goût de dire « Soyez là, quelqu'un! » Le pire, c'est que les musiciens de jazz, c'est vrai, c'est souvent de véritables virtuoses qui sont comme passés au travers, là, sont plus loin que nous. C'est des vrais génies, puis c'est la preuve que le génie frôle la folie. Un style musical qui trouve le moyen de mettre deux Z dans son nom, là, tu vois que ça se prend pas pour de la merde non plus. Et je pense que ça commence à paraître que je suis à court d'arguments pour détruire le jazz. Mais par contre, le jazz a un côté cool, la contrebasse. Hein, avouez, il n'y a pas plus chill que cet instrument-là. Ouais. C'est comme si la gang de petits narfés, là, trompette, trombone, sax, puis drum, c'est comme s'ils s'étaient dit « Ouais, on embarque-tu contrebasse pour doser, hein? Rendre notre son plus smooth, histoire que le monde décrisse pas après 15 minutes. » Ça m'a fait réaliser qu'ici en studio, c'est moi, c'est la contrebasse. Ah ouais. T'es pas d'accord, trompette Bélanger? Sax au bout de la table, quelque chose à dire? Hey, je suis sax, c'est bien fun! Bref, moi, c'est pas ma tasse de thé, hein, c'est même pas mon shooter de thé, mais c'est parce que j'ai déjà vécu un traumatisme, je vous raconte. Un jour, avec quelques amis, fait longtemps, on est allé voir la sœur musicienne d'une fille de la gang, OK? C'est ça. Déjà, ça ressemble à un piège, cette histoire-là, qui donnait un concert de jazz. Okay. C'est pas mon milieu, mais bon, tu sais, je me dis, je suis comédien, caméléon, je fais comme. On est assis dans la salle. On jase. Puis, à un moment donné, les musiciens entrent en scène, tu sais, sous un tonnerre d'applaudissements. Le monde perdait connaissance à tirer des brassières. Non, c'est pas vrai. Ils s'installent. Sont une douzaine. Puis, ils commencent à accorder leurs instruments. Fait que moi, je continue à jaser avec mon ami. Puis, pour bien paraître, je plug des mots comme crescendo. Ah. Je parle fort. Juste quand même, pas cuivre. Gamme chromatique. Ça marche. Il y a du monde qui commence à me regarder un peu. Caméléon.
long, je vous dis. Mais si bon, ils s'accordent longtemps, les musiciens. Puis après, genre 5 minutes, ils arrêtent. Moi, je me dis qu'ils sont prêts à commencer. Good. Et là, le public se met à applaudir la fin du premier morceau. C'était commencé, Ben! Les bruits insupportables d'accordage, c'était voulu! Le pianiste se lève, qui est pas mal le boss de la gang, de la secte, il se lève et il fait un salut. J'avais le goût d'en faire un, moi, avec, suivi d'un bail! Mais non, c'est la sœur d'une amie. Mais en tout cas, bref, ça a été ça pendant une heure et demie de temps, du monde qui s'accorde sur scène. Je compte plus le nombre de fois où j'ai applaudi à tâton me disant que ça devait être le bon moment. Alors bref, tout ça pour dire que si vous m'invitez à souper, mettez donc YouTube.